出来这么一个愿望，我想练气功。我呢就有幸见到了。他也说，但是他不知道怎么提高。气功能比较强的，这个人到那、到那学校有一个这个气功。哎呀，我当时就想，我要的就是他。Le 11 mars 1979, le journaliste Tsang Naiming et ses collègues ont publié un article « Découverte d'un enfant dans le district de Dazhou ». Il lit avec les oreilles dans le quotidien du Sichuan. Le mois suivant, les articles publiés dans l'Anhui Technology et le Beijing Technology ont fait état d'enfants qui avaient des pouvoirs surnaturels. Ces découvertes ont fait sensation et un exercice traditionnel chinois, le Qigong, a été aussitôt porté à l'attention du public. Le Qigong remonte aux temps anciens, que ce soit l'exercice des cinq animaux créé par Hua Tuo, les exercices de Tai Chi de Song Sanfeng, ou les diverses branches et écoles dans le bouddhisme et le taoïsme. Au cours des 5000 ans d'histoire et de culture chinoise, on retrouve partout l'éclat de ces anciennes sagesses. Ce génie culturel qui a été prépondérant pendant des milliers d'années s'est estompé à l'époque moderne. Cet empire autrefois puissant n'a pas pu éviter le sort douloureux de l'humiliation. Dans une tentative de résister aux envahisseurs, les Chinois ont adopté en priorité les technologies occidentales modernes dans le but de rester riches et de gagner en puissance militaire. Au fil du temps, les gens ont de moins en moins compris la profondeur, le vrai sens de la culture traditionnelle chinoise. Au lieu de cela, la vision de la science positiviste qui venait de l'Occident a progressivement pris le dessus pour devenir l'école de pensée dominante. En particulier, pendant les 10 ans de la grande révolution culturelle prolétarienne, tout ce qui était relié à la culture chinoise et aux valeurs traditionnelles était critiqué comme étant les quatre vieilleries et une superstition féodale. Par conséquent, les gens n'osaient pas explorer ces traditions. Une grande partie de l'essence de la culture traditionnelle a été perdue, voire a totalement disparu. Cependant, faire oublier aux gens la culture traditionnelle transmise pendant des milliers d'années n'est pas chose facile. Quand on a commencé à rapporter des histoires sur des capacités surnaturelles en Chine, à la fin des années 1970, les gens ont tout de suite montré un grand intérêt. Dans le bureau de la rédaction, à l'époque, tous les rédacteurs étaient là. Il y avait tous les journalistes, environ 7 ou 8 personnes, et ils peuvent encore témoigner de ce que nous avons vu ce jour-là. Cheng Yi, un écrivain renommé, nous a parlé d'un cas surnaturel dont il avait été témoin personnellement. Je lui ai dit de faire le tour de la reconstitution de la carte. L'un des rédacteurs a sorti une carte de visite d'un tiroir et on m'a dit de signer la carte. J'ai pris un stylo plume et j'ai signé mon nom sur la carte. Il m'a demandé de la mettre dans ma bouche et de la mâcher. Alors, j'ai mâché la carte jusqu'à ce qu'elle devienne une boule de pâte à papier. Et j'ai fait exprès d'en avaler un petit morceau. Ensuite, je l'ai sorti, il l'a roulé dans ses mains pour en faire une boule, il l'a ensuite dissimulé. Tout d'un coup, la carte lui a jailli de la main. Je l'ai regardé et j'ai constaté que ma signature était toujours là. J'ai trouvé qu'un tour de magie comme celui-là était vraiment difficile parce que, pour commencer, je suis honnête, je n'étais pas leur assistant. De plus, j'avais moi-même mis la carte dans ma bouche et je l'avais mâchée pour en faire de la pâte à papier. Comment était-il possible que la carte puisse être reconstituée avec ma signature dessus? Je ne pense pas que cela puisse être expliqué par la théorie du matérialisme. Ces phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer avec la théorie du matérialisme ont immédiatement attiré l'attention des hauts dirigeants du Parti communiste chinois qui gouvernent depuis le début avec l'idéologie du marxisme, léninisme et de l'athéisme.
Quand l'article sur l'enfant qui utilisait ses oreilles pour lire a été publié, en moins de 2 mois, le quotidien du peuple a publié 2 articles, les 5 et 18 mai 1979, critiquant sévèrement le phénomène en le qualifiant d'absurde, ajoutant que cela violait les connaissances scientifiques communes, que c'était complètement anti-science et tout simplement une honte pour les Chinois. Dans le même temps, un département du comité central a publié un document stipulant que lire les mots avec les oreilles était complètement anti-science et un signe du retour de la superstition féodale. Par la suite, on a forcé le quotidien du Sichuan, ainsi que le secrétaire de la province du Sichuan, à écrire des autocritiques. Cependant, des érudits scientifiques de premier ordre, tels que Qian Susen, ont soutenu la recherche dans ce domaine inconnu du Qigong et sur les capacités surnaturelles. Qian Susen a imaginé le concept de la science du corps humain d'un point de vue scientifique. Selon lui, les théories du Qigong, des médecines traditionnelles chinoises et des capacités surnaturelles dans le corps humain contiennent les principes de base de la science du corps humain. Cela mènera à une révolution dans les domaines scientifiques et fera faire un grand bond dans la compréhension objective de l'univers. Le premier symposium sur les capacités surnaturelles humaines s'est tenu à Shanghai, organisé par le magazine The Nature en février 1980. Des personnes aux capacités surnaturelles étaient conviées pour faire des expérimentations sur place. Et Hu Yaobang, à l'époque président du comité central du Parti communiste chinois, a aussi envoyé des évaluateurs. Hu Yaobang a envoyé son secrétaire avec quelques échantillons scellés qu'il avait écrits lui-même, voulant que les personnes ayant des capacités surnaturelles les lisent. Le motif derrière cela était en gros que si on pouvait lire les mots, le symposium aurait alors l'autorisation de continuer. Si on ne pouvait pas lire les mots correctement, ou si le sceau était brisé, alors sans doute le comité central allait annuler le symposium. Comme de nombreuses personnes, avec les pouvoirs supranormaux les plus puissants du monde, avaient été réunis lors de l'expérience sur place à Shanghai, les résultats ont été relativement bons. Le secrétaire de Hu Yaobang l'a appelé et lui a dit que les personnes avec des pouvoirs surnaturels affirmaient que Hu avait écrit tel et tel mot. Dès que Hu Yaobang a réalisé que c'était les mots exacts qu'il avait écrits, il a d'abord demandé au secrétaire de se dépêcher de revenir pour vérifier si les scellés des échantillons étaient brisés. Apparemment, lorsque le secrétaire a rapporté les échantillons à Hu Yaobang à Pékin, il a vérifié que l'enveloppe qu'il avait personnellement cachetée n'avait pas été ouverte. Mais les personnes avec des pouvoirs surnaturels avaient lu ces mots. En 1979, les spécialistes ont compris à l'unanimité que le symposium clarifiait les débats sur la réalité de lire des mots avec les oreilles. Ce symposium a été le signe que les recherches chinoises sur les capacités surnaturelles entraient dans une nouvelle ère. Cependant, il y avait encore des gens avec des vues opposées, malgré les résultats des expériences scientifiques. Du simple point de vue de la philosophie, les opposants critiquaient la recherche sur les pouvoirs supranormaux. Ces sceptiques se demandaient aussi s'il s'agissait de science ou d'anti-science, et si les gens suivaient la philosophie matérialiste du marxisme ou la philosophie de l'idéalisme qui est fondamentalement opposée au marxisme. La Chine, à ce moment-là, venait juste de sortir des 10 ans de révolution culturelle. L'art, les domaines techniques et scientifiques étaient tous dans un état de renaissance et d'expansion. Après avoir souffert pendant une décennie de l'idéologie toxique de l'extrême gauche, les Chinois ont commencé à se réexaminer eux-mêmes et à examiner les chemins qu'ils avaient pris. Ils ont pu traiter le Qigong et les pouvoirs surnaturels d'un point de vue objectif et réaliste. On ne laissait pas ces personnes montrer leurs capacités surnaturelles. On disait qu'elles étaient des démons et des fantômes. Et comme personne ne les voyait, les gens ont naturellement cru les rumeurs, car ils n'avaient jamais été témoins de ces capacités auparavant. Alors que le Qigong grandissait et se développait, il s'est avéré efficace, surtout pour ceux qui avaient des maladies. Ils se sentaient bien une fois qu'ils pratiquaient. Puis quand ils allaient à l'hôpital pour un examen, on constatait des changements positifs. Les effets du Qigong étant vérifiable, les sceptiques ne pouvaient que comprendre son efficacité. Un dirigeant du comité central qui a été personnellement témoin de pouvoirs surnaturels a écrit une lettre à Hu Yaobang, le président du comité central,
disant qu'au vu de l'histoire du développement scientifique, lorsque Copernic a avancé la théorie héliocentrique, quand Galilée a persévéré dans sa théorie de la rotation de la Terre, quand Einstein a proposé la théorie de la relativité ou quand Morgan a proposé la théorie des gènes, ils ont tous rencontré de sévères attaques de la part des forces profanes. Des partisans des nouvelles théories ont même perdu la vie. Lorsque certaines vieilles théories ne peuvent pas expliquer certains phénomènes, cela signifie souvent le début d'un grand bond en avant dans le développement scientifique. Peu de temps après, Hu Yaobang a donné des instructions au comité central, selon lesquelles le Qigong et les capacités surnaturelles seraient traitées avec ne pas faire de propagande, ne pas faire de débat, ne pas faire de critique. Voici un film qui était très populaire dans les années 1980. Le film, qui présente des arts martiaux remarquables et des histoires miraculeuses, a fasciné et ouvert les esprits d'une génération entière d'adolescents. J'étais très intéressé par le film sur le temple Shaolin quand il est sorti la première fois pendant mes années de collège. J'ai instantanément eu une compréhension de la culture profonde et de l'historique des arts martiaux chinois. Je me souviens que nous nous comparions, mes amis et moi, pour savoir qui avait vu le film le plus souvent. Il ne fallait pas seulement l'avoir vu une fois, alors je l'ai vu plusieurs fois. À ce moment-là, à l'époque, j'achetais tout ce que je pouvais trouver en livres et en magazines sur les arts martiaux et le Qigong. À l'époque, l'école avait une association de Qigong. Ils ont invité de nombreux maîtres de Qigong confirmés par la société et d'autres autoproclamés pour qu'ils fassent des présentations ou donnent des conférences. Ils ont aussi invité des personnalités publiques dotées de pouvoirs surnaturels pour qu'ils montrent ou parlent de leurs expériences. Ils parlaient en se basant principalement sur la perspective culturelle de la médecine traditionnelle chinoise, des méridiens, du livre des mutations, des huit trigrammes, de la voyance et de certains phénomènes surnaturels. Ils discutaient d'une vision de l'univers, des valeurs et de la vie sous un angle différent de l'approche scientifique occidentale. Après cela, j'ai développé un intérêt intense pour la culture traditionnelle chinoise. Pour la plupart des personnes âgées, l'attrait du Qigong résidait dans ses effets de guérison miraculeuse, notamment pour les maladies difficiles à traiter qui ne pouvaient pas être soignées par la technologie médicale moderne. L'apparition du Qigong a sans aucun doute donné aux personnes tourmentées par les maladies un dernier espoir de survie. Pendant la révolution culturelle, j'ai été torturée physiquement et mentalement. Quand tout s'est terminé dans les années 1980, je suis tombée malade et j'avais perdu tout espoir. Comme je travaillais à l'hôpital, il était très facile d'avoir accès aux médecins, aux médicaments en Chine. Mais je n'allais pas mieux après avoir essayé différentes méthodes. Aucun médicament ne marchait sur moi. À cette époque, le Qigong était très populaire. Les gens ne parlaient que de ça, dans les parcs et sur les lieux de travail. Puis j'ai entendu un commentaire dans une émission de télé sur des pratiquants de Qigong. L'un d'eux avait survécu à un cancer du foie grâce à la pratique. Avant de pratiquer, son médecin lui avait dit qu'il ne lui restait que très peu de temps à vivre. Cependant, comme il s'est mis à pratiquer le Qigong, son corps est allé de mieux en mieux. 3 ans s'étaient écoulés et sa santé continue à s'améliorer. À ce moment-là, je me suis dit, son cancer du foie a même pu être guéri. Il n'était pas certain que ma maladie soit un cancer. Mais même si ma maladie était un cancer, elle n'était certainement pas aussi grave qu'un cancer du foie. J'allais sûrement m'en remettre. Peut-être qu'il était prédestiné que j'ai la pensée qu'aucun autre médicament n'allait pouvoir me sauver la vie, à part le Qigong. J'ai donc fait le vœu de pratiquer le Qigong. C'est ainsi qu'au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes connexions sociales, le Qigong est devenu un trésor du peuple chinois et il est rapidement devenu très populaire sur la terre de Chine. Une fièvre du Qigong s'est répandue dans tout le pays. Qu'est-ce que le Qigong exactement? Pourquoi avait-il un tel pouvoir magique? Personne n'en avait fait la véritable analyse, mais certains maîtres de Qigong ne comprennent pas vraiment les véritables raisons du pouvoir du Qigong. Cela a là aussi jeté un voile de mystère sur le Qigong. Plus tard, de nombreux phénomènes se sont produits, tels que l'abstinence de nourriture, bigou, l'énergie générée spontanément,
et d'autres capacités somatosensorielles connexes. Je pouvais les sentir moi-même, mais je n'arrivais pas à les expliquer très bien. Je me suis rappelé la venue d'un maître de Qigong. Je lui avais demandé en privé comment il guérissait les maladies. J'étais très intéressée par le sujet. Il m'a alors dit que pour ces sortes de maladies, il fallait juste être convaincu. Il suffisait d'affirmer avec conviction que la maladie était guérie. Ensuite, vous demandez au patient s'il se sent mieux, et il répondra par l'affirmative. Si vous êtes convaincu et pensez l'avoir guéri, alors il est plus ou moins guéri. Il n'y avait donc pas de théorie derrière. Lui-même ne savait pas comment il guérissait les maladies. Comme cela gagnait en popularité parmi la population, nous nous sommes demandé tout au long de ce processus, particulièrement ceux qui étaient déterminés et inspirés, le Qigong, de quelle sorte de phénomène s'agit-il? Qui avait-il derrière tout ça? Et en pratiquant, mis à part recouvrer la santé, quelle compréhension les gens en tiraient-ils? Finalement, ils ont réalisé qu'il s'agissait de pratiquer, de faire connaître et de cultiver. Il s'agissait aussi d'expériences scientifiques et de les prouver. Toutes ces choses ne pouvaient pas l'expliquer pleinement parce que les méthodes scientifiques ne peuvent que vérifier le processus du Qigong, au lieu de comprendre ce qui le régit au fond. Ainsi, cette fièvre du Qigong a de nouveau incité les gens à penser de façon critique. Des escrocs ont profité du désir des gens de guérir avec le Qigong et d'obtenir des capacités surnaturelles ou des richesses en utilisant différents noms pour se vanter et tromper. Cela a rendu le Qigong encore plus mystérieux avec un mélange de vrai et de faux. L'énergie spontanée était très populaire à l'époque. Quand une personne était dans un certain état, sous la direction d'un maître du Qigong, elle se roulait par terre et frappait violemment son corps. On voyait de vieilles dames danser comme des folles. Il y avait un tel désordre. Ils enseignaient habituellement le Qigong de cette façon. D'abord, ils enseignaient un ensemble de mouvements et ensuite, ils parlaient des théories du Qigong. Plus tard, les pratiquants essayaient de capter les messages envoyés par les maîtres de Qigong. Parfois, les maîtres de Qigong demandaient aussi aux pratiquants d'apporter une tasse remplie d'eau. Ils émettaient de l'énergie dans l'eau et ils l'appelaient aux messagères. Enseigner aux gens comment guérir les maladies a été à la mode pendant un certain temps aussi. J'ai aussi assisté à un cours de Qigong. Le maître de Qigong vous apprenait comment éliminer, renflouer, décharger de l'énergie. L'impression la plus profonde que j'ai eue a été la méthode saisir l'immortel avec la main. Après avoir appris ça, je suis retourné dans ma ville natale du Sichuan, tentant de saisir les maladies de ma famille, mais ça n'a pas marché du tout. Bien que nous étions désireux d'apprendre ces méthodes de Qigong et comprenions qu'elles étaient utiles dans certaines conditions, avons-nous vraiment appris à les maîtriser? Non, impossible. Certaines personnes croient que tout ce qui est populaire, on peut le faire. Ils pensent pouvoir tirer profit des choses que tout le monde aime. Quelques pratiques fausses et frauduleuses de Qigong ont profité des émotions fanatiques des gens. Elles ont spéculé pour faire des profits financiers et fonctionner sans aucune connaissance véritable du Qigong, bien qu'elles prétendent le connaître. Ce qu'ils pratiquaient n'était pas du vrai Qigong. Elles inventaient facilement des choses pour tromper les gens. Et bien sûr, il y a eu des effets, mais minimes, ce qui leur a permis de passer pour de véritables méthodes de Qigong. Beaucoup de gens ont dit que l'énergie pouvait guérir les maladies, ce qui n'était pas vrai, même s'il y avait malgré tout des effets minimes sur les gens. Les faux maîtres de Qigong n'avaient même pas les compétences pour guérir les maladies. Pourtant, ils se pavanaient et escroquaient partout où ils allaient. Pas mal de gens ont été trompés. Et ils ont créé une influence très négative pour le Qigong. Ils ont diffamé les méthodes authentiques de Qigong. C'est lorsque les gens avaient des opinions différentes sur le Qigong que le Salon oriental de la santé a eu lieu à Pékin en 1992. Des gens qui ont eu la chance de participer au salon ont immédiatement prêté attention à un Qigong magique qui se distinguait des autres. J'ai vu un très jeune maître de Qigong qui était très beau. De plus, l'attitude avec laquelle il traitait les gens était extraordinairement aimable. Par conséquent, son apparence m'a paru très attirante. J'ai jeté un regard sur l'environnement de son exposition. À l'intérieur de son stand se trouvait une image du maître de Qigong méditant et portant des vêtements jaunes. Il y avait aussi des photos de lui, interviewé par des journalistes et lors d'émissions de télévision. J'ai appris que c'était le Falun Gong et plus tard, j'ai sorti un bloc-notes de ma poche. J'ai dit « Maître, s'il vous plaît, donnez-moi votre autographe ». Le maître a signé « Li Hongzhi, fondateur du Falun Gong, le 21 décembre 1992 ».
Au salon, M. Li Hongzhi et ses élèves ont utilisé leurs capacités supranormales pour guérir de nombreuses maladies. La nouvelle, le Falun Gong est miraculeux, s'est propagée rapidement parmi la foule du salon. Le directeur du salon, M. Li Rosong, a dit « Lors du salon, le Falun Gong a reçu la plus grande reconnaissance et ses résultats de guérison ont été bons. » Le professeur Zhang Sugi, conseiller général du salon, a déclaré « En tant que conseiller général du salon, je prends sous ma responsabilité de recommander le Falun Gong à tout le monde. Je pense que cette méthode apportera vraiment aux gens une bonne santé et une nouvelle vision spirituelle. » En avril 1993, le livre de M. Li Hongzhi, Falun Gong de Chine, a été officiellement publié. M. Li Hongzhi y explique notamment l'origine du Qigong, les pouvoirs de Gong et la force de Gong, le traitement par le Qigong et le traitement à l'hôpital. M. Li Hongzhi a résolu les problèmes des amateurs de Qigong qui étaient perplexes. Il a clairement indiqué que les pouvoirs de Gong ne doivent pas être recherchés. La force de Gong est obtenue par la cultivation du Xing Xing, la nature de l'esprit et du cœur, la clé pour aider les pratiquants à s'élever. Ces mots simples sont ceux que les gens attendaient après de nombreuses années de quête. À ce moment-là, j'ai senti que c'était celui que j'avais cherché pendant si longtemps. C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'était comme « Oh, je vous ai enfin trouvé !» En décembre 1993, le Falun Gong a été l'école de Qigong invité spécial au Salon oriental de la santé. M. Li Hongzhi a été élu membre du comité. Cette fois, beaucoup de gens sont venus au salon en raison de leur admiration pour le nom Falun Gong. Le salon de 1993 a été une grande opportunité pour le Falun Gong. Il y avait très peu de gens qui fréquentaient les autres stands de Qigong. Seul notre stand de Falun Gong avait une foule de 5 à 700 personnes tout autour. Aussitôt que le salon a ouvert ses portes, beaucoup de gens ont couru vers notre stand et ils ont formé 3 files. Une file était pour s'inscrire à la séance de guérison du matin. Une autre file était pour la session de l'après-midi, parce que le nombre augmentait rapidement. La dernière file était pour demander un autographe à Maître Li Hongzhi, pour signer son livre Falun Gong de Chine, qui était le seul livre publié à l'époque. Ce jour-là, en soirée, le salon s'est terminé rapidement et il ne restait plus beaucoup de monde. J'ai soudain vu 2 ou 3 hommes d'âge mûr avec une vieille dame entrant précipitamment. La dame âgée était bossue. Ce n'était pas une bossue ordinaire non plus. Elle était pliée à environ 45 degrés. Avec le bas du dos arqué, elle a suivi ses enfants jusqu'au hall et s'est dirigée droit vers Maître Li. Maître Li, en un coup d'œil, a pu voir l'état de cette vieille dame. Puis il a soulevé par derrière son dos contre sa poitrine. Le maître l'a soulevé et lui a étiré le dos. La vieille dame a été soulevée du sol. Après ça, il a parlé à la vieille dame. Détendez-vous et marchez avec moi. C'était un endroit plutôt vaste. Et le maître en a fait le tour une fois. La vieille dame suivait simplement le maître. Le maître se retournait et lui disait toujours « Détendez-vous, suivez-moi. Redressez-vous. » J'étais juste sur le côté et j'ai vu cette scène par hasard. J'étais moi-même très émue. J'ai vu cette vieille dame se redresser centimètre par centimètre. Le maître n'arrêtait pas de sourire et de lui dire « Détendez-vous et continuez de marcher. Redressez-vous. » Juste comme ça. À ce moment-là, j'étais très émue en voyant cette scène. J'ai pensé, ne serait-ce pas génial si une chaîne de télévision pouvait enregistrer ce moment? Cette personne a été guérie en quelques secondes.
Puis j'ai vu un homme d'âge mûr, probablement son fils, s'agenouiller tout de suite devant le maître. Il était aussi très ému, car c'était sa mère qui était guérie. Le maître lui a dit « Levez-vous, levez-vous, levez-vous », comme si ce qu'il avait fait n'était rien. C'était juste comme ça. Ce qui fait qu'on ne sait pas vraiment combien de personnes comme elle y guérissaient en un jour. Les résultats du salon ont été très bons. Beaucoup de gens avec une tumeur au cerveau, une maladie cardiaque et un cancer du foie ont tous été guéris après une visite à notre stand. Les gens ont su alors que c'était très magique. Il y a aussi des patients paralysés qui se sont levés de leur fauteuil roulant, ont jeté leur canne et se sont mis à marcher. À ce moment-là, certaines personnes s'agenouillaient devant Maître Li pour exprimer leur gratitude. Après l'activité, certains frappaient un gong ou des tambours en signe de louange. D'autres envoyaient des lettres de remerciement qu'on affichait sur le côté de notre stand. C'était très vivant à ce moment-là. Pendant le salon, en raison du dévouement désintéressé de M. Li Hongzhe envers le public et des effets miraculeux du Falun Gong, le comité du salon et le comité des spécialistes ont convenu que le seul et unique prix le plus honorable, le prix Fringe du progrès scientifique, devait être remis à M. Li Hongzhe. Ils lui ont également décerné le titre de maître de Qigong le plus populaire. Le Falun Gong, comme une étoile étincelante, éclipsa les autres écoles de Qigong à partir de ce moment-là.